Vas-y, alors. Alors, j'ai coupé 7 fils d'une certaine longueur que je vais mettre autour d'un poteau. Je vais faire un nœud. La nourriture, ça coûte déjà pas cher. Il est où, papa? Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Donc là, j'ai 7 boucles. Je mets une boucle par doigt. Eh, faites les mirabelles. Faites les mirabelles. Donc 4 boucles dans une main et 3 boucles dans l'autre. Comme ça. Je fais tout bien. Et on va descendre la boucle là où il y a la main impaire. On passe le doigt, je sais plus comment il s'appelle celui-là. L'index avec le pouce pour prendre la quatrième boucle du bas de l'autre main. On descend encore, on fait la même chose. On serre un peu. Je descends les doigts. Donc l'index on prend le pouce. Le quatrième. On descend. C'est une profession, c'est bizarre, là. Je me suis sec. Ok, tu refais, tu fais du finger lock. Ok, elle fait aussi du finger lock. Ouais, sur ta bouche. Ah, toutes la même couleur. Bah oui. C'est plus joli parce qu'après avec des... Putain, enfin, deux couleurs c'est joli aussi, mais après plus trois couleurs c'est pas joli quoi. Oh, moi la natte à Virginie pour une couleur jolie, hein. Non, après c'est question de goût quoi. Faut que tu te mélanges là, tu peux pas te repérer sur les couleurs. Même bah non, mais c'est pas compliqué parce que c'est toujours là, il y a toujours un nombre impair et pair. Et alors ça fait rien si c'est n'importe quel fil que tu prends. Ah non, c'est faut toujours prendre le quatrième de la main pair. Donc c'est le premier du bas. Donc hop, on prend le premier de la main. Et tu le passes au-dessus. Je passe dans la boucle. Dans le doigt du dessus en face. Dans la boucle de la première du haut de la main impair. Ok. Donc en fait tu dois pas te planter sur le... Non. Ok, si on se plante, après on va toujours s'attraper quand même. Ah ouais, parce que tu redescends les boucles sur les doigts. Ouais. Ça suffit. Qu'est-ce que t'en penses? Un petit motif comme ça. Ça fait du vrai lacet. Un gros lacet. Et on a retrouvé des finger loops, enfin des lacets qui faisaient avec 20 boucles. Donc faut au moins 3 personnes quoi. Bah oui, parce que toi t'as que 10 doigts. Oh zut! Avec les pieds. Ah oui, tu peux travailler avec les orteils. Ah, faut savoir les bouger quoi, bien les bouger. Mais là, tu vas avoir 30 cm au final. Bah, oui, la longueur que tu as fait. Il sera de la longueur que tu as coupé ton fil, enfin un peu moins parce que tu auras le nœud au début et le nœud à la fin. Quelqu'un veut essayer? Moi, je veux réessayer moi, attends. Oui, vous aviez pris des forêts, il n'y a plus rien, il reste des squelettes qui sont des bras vers le non, mais il n'y a pas non plus de la volonté. Descends, plus vas, tu vois. Offensif, tu vois bien le mouvement de la jambe. Avec lui, la jambe levée et tout. À l'attaque, celle d'après. Attends, lui, la posture, j'ai deux genoux pliés ensemble. Putain, Matrix, quoi. La mère, elle montrait. Oui,
Oui, c'est ta valise bien prononcée. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Mais tu te marres, mais j'ai toujours été comme ça. Ça fait 6 mois que je fais du kung fu. Et ça fait un long souvenir. Mais dès le début, on m'a dit, mais ça va où je continue. Ah, c'est bon.